Bonjour, on est ensemble pour une session qui s'appelle « Ce que les champignons peuvent nous apprendre sur l'IA ». On est avec Marine Sobas. Marine, tu es Engineering Team Lead chez Dataiku, qui est une plateforme qui fait de la démocratisation autour de l'IA, et tu manages une petite équipe qui met en place des fonctionnalités, notamment sur l'analytics. Et donc tu as une conférence, et là c'est un peu particulier parce qu'on va faire l'interview avant ta conférence cet après-midi, où tu parles donc de champignons, d'IA et de machine learning. Et donc voilà, on va passer un temps ensemble pour parler de tout ça. Ouais, il faut déjà qu'on comprenne, parce que quand on a fait l'interview d'avant et qu'on a annoncé la suite, les gens se posaient déjà plein de questions. Alors, champignons particulièrement, toi c'est mycélium. Donc déjà, je pense qu'on est à peu près tous ignorants de ce qu'est le mycélium. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est ? Pour poser un peu le contexte, et après on fera le lien avec l'IA. Bah carrément, déjà c'est un spoiler pour la conférence de cet après-midi, mais le mycélium en fait c'est le propre des champignons. Les champignons donc c'est un des règnes du vivant avec par exemple les animaux, les plantes, et contrairement aux animaux qui se déplacent pour aller chercher leur source de nourriture, les champignons vont faire pousser leur corps pour ensuite venir absorber la nourriture. Et ça se fait via des filaments qui se déploient dans le sol. Et donc, le mycélium permet, c'est le nom des filaments, ça permet de venir absorber les nutriments qui se trouvent dans le sol. Et donc forcément, comme c'est comme ça que les champignons arrivent à se nourrir, à trouver leurs nutriments, le mycélium s'est développé de manière à être intelligente. Et donc, tout ce qui est problématique de réseau, comme c'est un réseau de filaments, le mycélium est très fort pour le résoudre. Et donc, c'est intéressant en tant qu'informaticien ou chercheur en intelligence artificielle, de s'intéresser au mycélium parce qu'il peut nous permettre de résoudre nos problématiques de réseau. Donc des algorithmes, par exemple, du plus court chemin ou alors du voyageur de commerce. Donc tout ce qui a un rapport avec les problématiques du réseau, le mycélium peut apporter une réponse potentiellement. Tu parles plus court chemin, c'est que tu peux nous en dire un peu plus juste pour démystifier un peu ce qui se cache derrière ces termes-là, comme ça on est sûr que tout le monde voit de quoi on parle. Ouais, carrément. Alors généralement, les scientifiques, quand ils s'intéressent à l'intelligence d'un organisme, ils vont lui soumettre un problème. Et le problème du labyrinthe ou trouver le plus court chemin dans un labyrinthe, c'est un problème classique pour arriver à déterminer le niveau d'intelligence d'un organisme. Et donc, il y a des scientifiques qui ont modélisé ce type de labyrinthe avec le mycélium et qui ont pu prouver que, comme le mycélium se déploie en réseau et peut explorer plusieurs pistes à la fois, contrairement aux animaux où on est limité à un seul chemin, il arrive à paralléliser en fait, la résolution du problème du plus court chemin, et c'est pour ça qu'il est très fort à ça. Quand on dit très fort, sur quelle notion on s'appuie pour dire ça, c'est-à-dire par rapport à quoi ? On le met en comparaison de quoi tu parlais d'animaux, enfin c'est comment, quelle base, parce que là on est, enfin, je précise qu'on n'est pas dans un film de science-fiction hein, sur cette interview, on est dans le réel. Pourtant ça fait très futuriste comme approche. Oui, c'est vrai. par rapport à quoi ? Par rapport par exemple à la capacité humaine de résolution du plus court chemin. Enfin, moi par exemple j'ai un très mauvais sens de l'orientation, donc je pense que je serais moins forte que le mycélium pour trouver le plus court chemin. Et après, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à d'autres algorithmes de résolution du plus court chemin, on a pu développer avec du biomimétisme, donc l'étude de la nature pour ensuite trouver des algorithmes en rapport pour résoudre le problème du plus court chemin. On a développé donc des algorithmes qui arrivent à trouver des solutions à ce problème-là, algorithmique classique, donc qui n'est pas aussi efficace que l'algorithme le plus populaire qui s'appelle Dijkstra, mais qui est plus efficace par exemple que l'algorithme par colonie de fourmis, et parce qu'il est plus rapide et plus performant. Et même s'il est moins efficace que Dijkstra, il arrive à proposer plusieurs routes alternatives, tandis que Dijkstra en propose qu'une seule. Et donc c'est intéressant parce que ça permet d'avoir plusieurs chemins alternatifs. Et donc par exemple, quand il y aura les JO à Paris, on aura potentiellement des réseaux, en tout cas des lignes de métro qui seront saturées. Et dans ce cas-là, ce sera intéressant d'avoir plusieurs chemins possibles de manière à pouvoir avoir des solutions en backup. Et donc peut-être que Google Maps ou CityMapper pourront utiliser l'algorithme inspiré du blob ou des champignons.
Tu parles de Blob, justement. Ah, ah, quelle belle transition. Magnifique. C'est un peu préparé, quand même. Pas du tout. Pas du tout. Tadam, sans les mains. Tu parles du Blob, parce qu'effectivement, dans ta conférence, tu parles aussi du Blob. Et c'est quoi la différence que tu fais entre le mycélium et le Blob? Alors, le Blob n'est pas un champignon. Il a longtemps été classifié comme tel, mais en fait, c'est pas vraiment un champignon. Il appartient à la famille des protistes, donc c'est un peu une catégorie fourre-tout du règne du vivant. Enfin, globalement, dans le règne, il y a les animaux, les plantes, les champignons et les protistes. C'est un peu la catégorie à part, avec des formes de vie eucaryotes, mais qui sont assez mystérieuses. Et en fait, on peut quand même trouver des similarités entre le mycélium, donc les filaments qui se propagent dans le sol, le réseau du champignon, et le blob, parce qu'ils sont tous les deux capables de se propager en réseau. Alors que le blob, lui, il va être un petit peu différent parce qu'il a plus une logique de prédation, donc il va aller à la recherche de sa nourriture, limite la chasser, alors que les champignons vont plus être dans une optique de colonisation des sols. Mais c'est vrai que des scientifiques se sont intéressés à la fois aux blobs et aux champignons parce qu'ils arrivent à résoudre des problèmes de réseau de façon assez similaire. En tout cas, dans le livre Entangled Life, qui m'a fait découvrir le monde des champignons, l'auteur, Merlaine Shellbreak, parle aussi bien du blob que des champignons pour décrire l'intelligence de ces organismes. Alors, peut-être que tu viens de répondre à la question, mais c'est vrai que moi je m'interrogeais. Là, on parle de champignons comme si c'était normal de s'intéresser de l'algorithme, mais dans la présentation que Greg a faite de toi, à quel moment il y a cette intégration de quel moment tu tombes sur ça, c'est ce fameux livre ou c'est et au-delà du livre, à quel moment tu te dis ok, ça va, je vais faire rentrer ce que je viens de découvrir dans mes sujets dans mes travaux, dans ma recherche. Au départ, donc je suis engineering team lead chez Dataiku, comme tu as pu le dire, et il y a un an j'ai rencontré une peintre qui m'a recommandé ce livre. Tu peux redonner le Entangled Life. Entangled Life, ok. Ouais, so bilingue. Je crois pas qu'il est traduit en français. Donc elle m'a fait découvrir ce livre sur les champignons et donc en le lisant, je me suis rendu compte qu'il y avait des points communs entre la façon dont le mycélium, donc les filaments, fonctionnent et les ordinateurs, voire l'intelligence artificielle. Et donc ça m'a vraiment fascinée. Enfin, j'avais aucune idée que c'était le cas. Et c'est vrai que c'était un super sujet à creuser pour moi parce que ça permet de créer des ponts entre plein de disciplines différentes. Donc, bien sûr, la biologie, la mycologie, l'informatique, mais aussi les mathématiques parce qu'il y a énormément de mathématiciens qui s'intéressent à la propagation des champignons ou du blob et qui utilisent pour ça des équations, voire de la mécanique des fluides. Et donc, c'est cette idée de créer des ponts entre les différentes disciplines. Ou alors un mix, comme on est à Mix IT. Très entre bon placement de produit. Ouais, bravo. Quelle déclinaison concrète aujourd'hui ça trouve aujourd'hui ces réflexions, ces observations sur le mycélium? Alors concrètement, il y a des chercheurs qui ont mis en place un ordinateur fongique. Donc comme le mycélium fonctionne un petit peu comme un ordinateur pour... Peut-être expliquer un peu plus dans les détails. Il y a les filaments sont cloisonnés et il y a une sorte de port qui peut s'ouvrir et se fermer à la manière d'une porte logique. Et donc c'est comme ça que le signal électrique qui passe à travers les filaments du mycélium arrive à être modulé et que le champignon peut communiquer de l'information d'un bout à l'autre du réseau. Donc à partir de là, des scientifiques se sont dit on n'a qu'à faire un ordinateur à partir de champignons. Et c'est le cas, c'est le chercheur Andrew Anamapsky qui a fait ça. Donc c'est un peu une manière de réinventer l'informatique avec des matériaux différents. Donc là, c'est l'une des applications. Le problème avec l'ordinateur fongique, c'est qu'il est beaucoup plus lent que les ordinateurs qu'on utilise tous les jours. Donc peut-être qu'une piste plus prometteuse, ce serait d'utiliser les champignons comme des capteurs pour récupérer un maximum de données et ensuite venir alimenter les intelligences artificielles. Et un exemple, c'est la conception d'une peau pour robot à partir de champignons, donc de mycélium. Il y a des scientifiques qui ont fait pousser un mycélium en laboratoire et qui sont ensuite venus pulvériser ce mycélium sur un corps de robot.
Et ensuite, en branchant des électrodes, on arrive à mesurer l'activité électrique de cette peau. Et donc, ça permet de détecter, par exemple, si le robot est touché, s'il est exposé à la lumière. Voir, comme le mycélium est capable de sentir les hormones, donc par exemple les hormones de stress des humains, on pourrait utiliser ça comme un capteur pour mesurer les émotions ou alors l'état de stress des utilisateurs ou utilisatrices d'ordinateurs ou d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment une piste vraiment prometteuse pour arriver à avoir plus de données sur l'écosystème des champignons. Et ce serait potentiellement une piste à creuser pour les gens qui ont des projets entrepreneuriaux, je recommande. Et là, on est vraiment dans... Enfin, c'est marrant, c'est vraiment une projection futuriste. Moi, ça me faisait penser au film Existence de Cronenberg. Là, on a le mélange entre de l'organique et de l'informatique, du numérique. Donc, tout ce truc, finalement, il y a cette fascination, enfin, en tout cas, cet intérêt pour cette recherche sur les champignons, l'impact sur l'IA. Il n'y a pas des risques aussi? Il n'y a pas des choses qui nous emmènent vers un chemin, en plus, en mélangeant de l'organique avec ces travaux? Il n'y a pas de risque potentiel? Comment tu vois ça, toi? C'est vrai que le fait de développer par exemple des ordinateurs fongiques, ça peut faire peur parce qu'on pourrait perdre le contrôle. Comme c'est de la matière vivante, c'est difficile à contrôler parce qu'ils peuvent s'auto-réparer, ils peuvent s'adapter à leurs environnements. Donc c'est vrai que ça peut... j'ai du mal à savoir quelles pourraient être les conséquences, mais il faudrait être vigilant pour éviter qu'on soit envahi ensuite par des champignons ou qu'on n'arrive pas à contrôler... les créations qu'on a faites à partir de ces champignons. Après, c'est vrai que les champignons, on a déjà des fermes énormes avec des pleurotes, par exemple, où on a beaucoup de mycélium. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas non plus complètement méconnu. Mmh. Et donc, on a quand même des connaissances solides dessus. Après, peut-être que le risque par rapport à l'IA, qui est souvent évoqué, c'est la dépendance qui peut s'établir entre l'intelligence humaine, donc nous, et l'intelligence artificielle. Et le fait de m'être intéressée aux champignons, ça m'a aussi permis de prendre du recul par rapport à ce risque de dépendance, parce qu'on se rend compte que finalement, en tant qu'être humain, enfin, on a une forme d'intelligence, mais que pour arriver à ce type d'intelligence, on a besoin de tout un ensemble de cellules, et pas seulement aussi des microbes, donc le microbiote, aussi le mycobiote des champignons. Et donc la notion d'intelligence individuelle est quand même assez limitée si on s'intéresse aux organismes, au corps humain. Donc ça me fait dire que finalement la dépendance à l'intelligence artificielle, elle n'est pas mauvaise en soi, puisque pour atteindre l'intelligence humaine, on est déjà dépendant de plein d'autres organismes que nous, et donc ça fait qu'une dépendance en plus. Après, la question, c'est plus, est-ce que c'est une dépendance qui est positive, donc plutôt une dépendance de type symbiotique, ou alors une dépendance qui mène au parasitisme, et donc là, il faudra être vigilant. Notamment sur est-ce que l'IA risque de détériorer nos rapports sociaux, faire disparaître le lien social, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Justement, l'intitulé de cette session, ce que les champignons peuvent nous apprendre sur l'IA, on en a peu parlé jusqu'à présent. Les mycéliums, l'IA, juste pour comprendre déjà comment ça s'articule les deux. Pour voir un petit peu déjà comment on arrive à penser le lien, parce que pour l'instant moi j'ai un peu du mal à l'envisager. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ça? Tu as parlé d'ordinateur fongique, donc tu as aussi parlé de plutôt stocker les données dans c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. Quelle relation tu fais entre les deux? Déjà, par le biomimétisme, on peut améliorer les algorithmes qui sont utilisés par le machine learning. Donc, par exemple, les algorithmes d'optimisation qui sont utilisés à certaines étapes de l'entraînement des modèles en s'inspirant de la nature, donc du blob par exemple. Il y a l'algorithme d'optimisation métaheuristique du blob qui permet par exemple de trouver les meilleurs hyperparamètres du modèle ou alors de faire la sélection de données la plus pertinente, donc l'ensemble, une recherche dans l'ensemble des combinaisons de données possibles. Donc par le biomimétisme, on arrive à améliorer les algorithmes de machine learning. Okay. Et par le biocomputing, comme finalement le mycélium fonctionne un petit peu comme un ordinateur, mais
également comme des réseaux de neurones artificiels. Parce que quand on pense au premier réseau de neurones à avoir été inventé en 1943, donc c'était par McCulloch et Pitt, c'était en fait vraiment, il y a vraiment de fortes similarités avec le mycélium parce qu'on récupère un signal en entrée qui est binaire, qui va ensuite être pondéré et auquel on applique une fonction d'activation qui est en fait une porte logique, donc une opération de type logique booléenne comme AND ou OR. Et le mycélium, avec ses portes logiques, donc ses membranes qui permettent de faire passer ou non le signal électrique, fonctionne de façon similaire. Donc ça permet de revoir en fait les bases théoriques des réseaux de neurones artificiels, par exemple. Et aussi, on pourrait se dire, à partir de là, pourquoi pas développer une intelligence artificielle fongique qui serait plus durable, parce qu'on utilise des matériaux organiques plutôt que des matériaux qui se recyclent pas, et aussi capable de se réparer elle-même, parce que comme c'est une matière qui est vivante, elle est capable de s'auto-réparer. Et moi, c'est une question que je me pose, parce qu'on parle du biomimétisme et donc d'observer et reproduire. Et est-ce que, dans ce que tu as pu lire, il y a des choses aussi où on influe sur le fonctionnement du mycélium, on amène des choses particulières par rapport au blob pour valider des hypothèses? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on laisse l'organique se faire et on regarde comment ça se passe et on apprend, ou est-ce qu'on mène des expérimentations aussi avec l'organisme, avec l'organique, pour voir si ça valide des hypothèses ou si ça permet de se dire, bah oui, ça marche bien dans ce contexte? Alors aujourd'hui, l'ordinateur fongique, on ne peut pas vraiment le programmer, parce que la programmation se ferait via la géométrie du mycélium, c'est ça qui permet de programmer telle ou telle opération logique. C'est vrai qu'il y a des pistes de plus en plus pour arriver à comprendre ce qui stimule la croissance du mycélium. Donc j'ai parlé notamment à des mathématiciens, des physiciens qui modélisent la croissance du mycélium à partir des équations souvent inspiré de la mécanique des fluides. Et leur objectif, ce serait de faire un lien entre les paramètres de leurs équations et les conditions observables du milieu, de manière à pouvoir prédire comment le mycélium va pouvoir pousser, mais aussi de pouvoir contrôler la croissance du mycélium. Le cas d'utilisation premier, ce serait plutôt dans les labos pharmaceutiques qui produisent des médicaments à partir de champignons. Donc c'est intéressant pour eux de pouvoir modifier la forme du mycélium, mais potentiellement pour l'ordinateur fongique, ce serait intéressant aussi parce qu'on pourrait vraiment influencer la géométrie du réseau. Est-ce que on pourrait vulgariser en disant que demain, on pourrait faire pousser des formes d'ordinateurs qui répondraient aux conditions qu'on souhaiterait, avec les intelligences qu'on souhaiterait? C'est une trajectoire qui est pas... On n'est pas dans la science-fiction en disant ça, c'est ça? Pour l'instant, on n'a pas toujours trouvé... Enfin, tout ce qui est organique, c'est assez difficile de trouver les bons paramètres. Est-ce que c'est la concentration en sel qui va faire que ça va pousser comme ça? Peut-être que la piste la plus facile, ce serait juste de découper le réseau du mycélium une fois qu'il a poussé. Mais du coup, ça prend un certain temps parce qu'il faut qu'il pousse pour pouvoir le programmer d'une certaine manière. Dans cette interview qu'on n'a pas préparée, on a eu une occasion de ne pas discuter de monopsychisme, parce qu'en fait dans ta session tu parlais de ce terme là que j'ai découvert. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ce mot me fascinait pas mal. En fait, en découvrant l'intelligence des champignons, ça m'a aussi permis de prendre du recul par rapport à l'intelligence en général, donc intelligence naturelle, artificielle, animale et humaine. Et le monopsychisme, c'est un concept philosophique qui a été inventé par Averroès, qui est un philosophe arabe du Moyen-Âge. Et pour lui, l'intelligence n'est pas propre aux organes, au cerveau. En tout cas, l'intelligence n'est pas individuelle, mais c'est quelque chose qui préexiste à tous les êtres humains et qui va s'exprimer par nous. Donc c'est comme si on était tous invités à un spectacle et on voit l'intelligence, mais c'est pas nous qui la produisons. Donc c'est globalement l'idée. D'ailleurs, je sais pas si j'ai le temps pour lire une petite citation. Vas-y. Mais d'après Jean-Baptiste Brenet, qui étudie la philosophie d'Averroès, c'est Proust qui avait la meilleure définition du monopsychisme dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ».
Je vais juste lire cette citation. Car mon intelligence devait être une, et peut-être n'en existe-t-il qu'une seule, dont tout le monde est colocataire. Une intelligence sur laquelle chacun, du fond de son corps particulier, porte ses regards, comme au théâtre où si chacun a sa place, en revanche, il n'y a qu'une seule scène. Et donc la notion de monopsychisme, c'est le fait que l'intelligence est extérieure à nous, qu'elle ne va pas être le propre d'une personne en particulier. Je pense qu'on pourrait l'extrapoler à l'intelligence des animaux, l'intelligence des plantes, l'intelligence des champignons, et que finalement on est tous le réceptacle de cette intelligence, et qu'en fonction des problèmes auxquels on est confronté, on va l'utiliser différemment, parce que forcément un animal et un champignon n'auront pas les mêmes problématiques. Et dans le cas de l'intelligence artificielle, on peut se demander si certains mécanismes cognitifs qui existent dans la nature ou dans le cerveau humain ne sont pas reproductibles, enfin, sous la forme de programmes, et donc on arriverait peut-être à capter cette intelligence qui finalement se trouve plutôt dans la nature ou qui est extérieure à nous, grâce à la reproduction de phénomènes, enfin de mécanismes cognitifs qui existent déjà. C'est-à-dire que c'est pas que de l'algorithmique préprogrammée, mais qu'en fait on va plutôt s'intéresser à comment capter des choses pour finalement, on parle de machine learning, finalement créer de plus en plus d'autonomie, ce serait ça dans la recherche de nos intelligences artificielles. Ouais, c'est ça. J'espère que j'ai été assez claire, mais c'est plutôt l'idée que ouais, il faut prendre du recul par rapport à ce que c'est que l'intelligence. C'est pas forcément quelque chose qui est propre à un individu donné. Et peut-être que par le développement des réseaux de neurones artificiels ou d'IA, on peut arriver à capter cette forme d'intelligence qui nous englobe tous et toutes. Donc le mycélium serait une nouvelle ouverture pour comprendre cette intelligence globale qu'on verrait jusqu'à présent à travers nos yeux d'humains, on va dire. Et là, on accéderait à une compréhension naturelle qui viendrait compléter celle qu'on a, nous. C'est ça, hein? Marine, merci infiniment pour avoir amené ce premier sujet botanique à Mixit. Et c'est aussi ça, Mixit, c'est vraiment l'intérêt, c'est d'avoir de montrer que voilà, on n'est pas que centré sur les ordis, il y a tous ces écosystèmes là qui cohabitent. Donc merci infiniment d'avoir apporté ce regard, et on te souhaite une bonne conférence. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup.